Well, à la yonda, c'est tout le monde à la ronde qui délivre. Well, à la yonda, c'est bon Dieu qui vient casser les chaînes. Well, à la yonda, c'est tout le monde à la ronde qui délivre. Jésus vini, c'est bon Dieu qui l'a. Moi, Jésus vini, et a sauvé. Oh, oh, oh. Moi, Jésus vini, bon Dieu tout l'amour. Moi, Jésus vini, nous tout en bon Dieu. Oh, oh, oh. Moi, à la yon fait. C'est bon Dieu qui vit casser les niches. Well, à la yonde, c'est tout le monde à la ronde qui délivre. Well, à la yonde, c'est bon Dieu qui vit casser les niches. Well, à la yonde, c'est tout le monde à la ronde qui délivre. Rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu tout-puissant. Je me connais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu te puissant me fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés. Et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, Seigneur nous aime, joie au ciel, que la terre exulte, qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu, pour toujours il donne sa paix. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te chantons et nous proclamons ton immense gloire. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime, joie au ciel, que la terre exulte, qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu, pour toujours il donne sa paix. Jésus-Christ.
tu es le Seigneur, le Fils du Père et l'agneau de Dieu. Tu es notre frère. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Joie au ciel, que la terre exulte. Qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu. Toujours il donne sa paix. Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ, qui résume en lui le salut du genre humain. Lui qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, versets 18 à 21. Mes enfants, nous sommes à la dernière heure. L'Antichrist, comme vous l'avez appris, doit venir. Or, il y a maintenant beaucoup d'Antichrists. Nous savons ainsi que nous sommes à la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'il avait été des nôtres, il serait resté avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, celui qui est saint vous a consacré par l'onction, et ainsi vous avez toute la connaissance. Je ne vous dis pas que vous ignorez la vérité, mais je vous dis, vous la connaissez. Et la vérité ne produit aucun mensonge. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Nous allons méditer dans le psaume 95 et nous répéterons. Joie au ciel, exulte la terre ensemble. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom ensemble. Joie au ciel. Exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre, les masses et de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête ensemble. Joie au ciel, exulte la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre ensemble. Joie au ciel. Exulte la terre. Mettons-nous debout pour l'acclamation à l'évangile. Alléluia, alléluia, vivons maintenant, vivons maintenant. Que nous comptons en nous chanter, alléluia, vivons maintenant. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Par lui deviendront fils de Dieu. Tous ceux qui le reçoivent. Yon grand faveur sorti dans le ciel, yon grand faveur sorti dans le ciel, yon grand merveille, grand maître la fête, yon grand merveille, grand maître la fête, la vie sans qui va content, nous tous nous disons bravo pour ça. Alléluia, alléluia, vive grand maître la vie, grand maître la nous chanter, alléluia, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme. En venant dans ce monde, il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant, « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi. Il a pris place devant moi, car avant moi, il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, vive grand maître là, que nous comptons nous chanter, alléluia, vive grand maître là. La grâce et la vérité sont venues par le Christ, le Verbe, le Logos. La parole s'est fait chair et le Logos est venu habiter parmi nous. Dans le premier chapitre de Saint Jean, 18 premier verset, il y aurait le prologue de Saint Jean. Il y a un pile théologien qui parlait de partie ça comme un commentaire du récit de la création. Les nous garder commencement de l'évangile Saint-Jean à commencement livre la Genèse là, nous voyons commencer pratiquement même Jean. Nous commençons avec même mot ça en hébreu, Bereshit, en français, au commencement. Si nous lisons Genèse, nous pouvons commencer au commencement. Dieu créa. Et dans Saint-Jean, ça nous fait que ce côté-là, il commençait comme ça. Au commencement était le Verbe. Dans le commencement, l'autre mot qui paraît fort dans l'évangile, ça, et que nous joignons dans le livre de la Genèse, c'est
la parole de Dieu. Nous voyons que tout ça, bon Dieu, qu'elle crée, elle a créé avec parole. En hébreu, il y aurait ça, le dabar. Dabar, là, qui veut dire que ça, c'est une parole agissante, une parole action. Les bons dieux parlaient, les bons dieux disent, tout ça le parlait, tout ça le dit, il réalisait. Tout ça, bon Dieu, dit, action posée en même temps. C'est ça que hébreu, il y aurait le dabar. Et que théologie, on fait nous comprendre, c'est une parole action. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que le soleil soit, que la lune soit, que la mer soit, que les animaux soient. Et tout ça le dit, il a réalisé. Donc Dieu créa le monde par sa parole. Et voilà que qu'on est là. Saint Jean Brel dit nous, au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, le Logos. C'est là que ces paroles, bon Dieu, c'est Jésus-Christ les mêmes. Saint Jean Brel dit, Jésus est là, bien avant le commencement, monde ça, bien avant le monde a été créé. C'est le Saint-Jean, avec Marc, dans le 4 évangélisme, qui part parler de commencement, Jésus, origine humaine, Jésus. Saint-Jean allait dans l'origine divine de Jésus. Pour le dire, qui côté exactement Jésus aussi. Et c'est là, dans le Credo, on a affirmé que Logos, sa parole, ça, il n'a pas été créé, mais engendré. Dans le Credo, nous réciter engendré, non pas créé. Pour dire que, et le Christ et le Père, ils sont consubstantiels. Ça veut dire qu'ils ont la même nature. Les papas ont créé le monde, le Fils était là. Et ça fait, si j'en dis, la parole était auprès de Dieu. C'est là que nous allons commencer à développer avec ça que nous relais, le mystère de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je dis, pour l'Oxa, c'est parti ça que nous voyons apparemment simple, mais c'est une partie qui est riche théologiquement. 18 premiers versets, ça, c'est libre de faire nous comprendre comment bon Dieu sorti dans le ciel. Poul vin fè le monde. Et ça fait nous, non? Verset 14 là, c'est Jean Brel dit, et le verbe s'est fait chair. Tout verbe ça t'a parlé, depuis le commencement, dans 13 premier verset, il montrait que le gosse ça sorti dans papa, en l'air, dans le ciel là. Ce n'est pas avec naissance humaine Jésus qui Brel faut comprendre que Jésus il existait. Non. Il était là bien avant. Le Fils a préexisté. On dit que Jésus, qui c'est bon Dieu, qui c'est petit bon Dieu, l'était là bien avant. C'est ça qui fait, c'est Jean-Tabouel dit, Jean-Baptiste, c'est là qu'a venu après maintenant, les plus grands que moi, parce qu'il était là avant. Bien que Jean-Baptiste était fait avant Jésus. Donc, rappelez-nous que Élisabeth était enceinte avant Marie. Donc, Jésus fait après Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, Abouel dit que si la cabine d'aime, en parlant de Jésus, lui fait, les plus gros passés, parce qu'il fait en vente. Les salles t'a parlé de yon origine divine, parce que Jésus était là bien avant. Et c'est parce que, effectivement, bon Dieu remet nous, qui fait le bral prend chair, qui fait le bral incarné. C'est le mystère de l'incarnation. Mais, ces gens disent que Logos est la lumière, Jésus est la lumière. Cette lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnue. Jésus finit dans le monde, il finit sous terre, mais malheureusement, que les hommes tellement durs, que les hommes tellement fermés, ils n'ont pas découvert la présence de bon Dieu dans le monde. Et jusqu'à présent, on a demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas de monde toujours qui ne croit pas?
dans mon Dieu, qui pas senti présence mon Dieu dans la vie yo. Est-ce que jusqu'à présent pas des monde qui pas qui refusait reconnaître que Jésus est présent, qui pas accepté ce sacrifice glorieux de Dieu, le sacrifice de la croix. Donc ces gens dans commentaire de Logosa, il fait nous comprendre que Jésus a une possibilité à tout le monde qui croit dans lui pour être capable de venir petit bon Dieu. C'est une grâce que me gagne. C'est une grâce au même qu'il a gagné pour nous capable de tourner petit bon Dieu. On devient enfant de Dieu par la foi. C'est parce qu'on croit non Jésus qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu qui fait nous tourner petit bon Dieu. Parce que nous sommes co-héritiers de Dieu. L'héritier, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Si nous capables de tourner petit bon Dieu, c'est parce qu'il y a le Fils. Nous tourner petit, non, véritable petit là que c'est Jésus. Nous tourner co-héritiers, héritiers du royaume de Dieu, non, héritier principal ça qui c'est Jésus. C'est parce que Jésus est héritier qui fait que nous-mêmes nous sommes héritiers. C'est parce que Jésus c'est petit qui fait le bon possibilité pour nous aller papa, papa. Et c'est par là que nous venons tourner petit bon Dieu. Donc, c'est une belle occasion dans le dernier jour, dans l'année, 31 décembre, pour nous capables de réfléchir, penser sur vocation nous comme petites. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Grâce à l'incarnation du Fils de Dieu. Grâce à ce Verbe qui s'est fait chair. Grâce à ce Verbe qui a habité parmi nous. Jean-Baptiste a rendu un témoignage. Nous-mêmes, tous, nous avons un témoignage par nous pour nous bailler. Comme chrétien, comme missionnaire, comme baptisé. Et quel est ce témoignage? Ce témoignage n'est autre que Dieu est amour. Être des témoins de l'amour de Dieu. Et dans tout évangile Saint-Jean, c'est ça, mot essentiel là, phrase essentielle là. C'est ça qui tenait fil rouge, fil conducteur, l'évangile de selon Saint-Jean. Dieu est amour. Il a tout fait par amour. Dieu a tant aimé le monde, nous dit Jean, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en plénitude. Donc Dieu a tant aimé le monde. Dieu est amour. Même Jean, Jean-Baptiste, c'est un témoignage à la vérité, à la lumière, à ce logos, à ce verbe, à cette parole de Dieu. Nous-mêmes, tout, nous avons un témoignage par nous. En nous disant, bon Dieu, dans le commencement de la nouvelle année, ça, pour ne pas jamais suspendre un témoignage, la parole, l'action que nous avons posée, pour nous donner de véritables témoins, témoins de cette parole, de ce logos. On demande à mon Dieu la grâce pour que nous-mêmes nous accueillions lumière, ça. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme. Mais le monde ne l'a pas reconnu. On reconnaît dans Jésus qu'il est la lumière. On quitte lumière, ça, dissiper toutes ténèbres que nous portons dans nous-mêmes pour qu'à notre tour, nous capables d'éclairer, frère, nous, action, nous. C'est que nous pas fait pendant année ça qui touchait à sa fin. On demandait bon Dieu la grâce pour nous capable faire pendant l'autre année ça qui va recommencer dans quelques heures pour que nous capable tourner un véritable témoin, pour que nous capable laisser nous éclairer par cette lumière, pour que le Verbe capable prendre chair dans la vie, dans notre temps, dans le cœur nous. Afin que vraiment, nous sommes capables d'accueillir la grâce
Que bon Dieu, que l'Emmanuel vienne porter pour nous la grâce de vivre pour Dieu, la grâce que Dieu demeure en nous. Cette véritable lumière, Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, ce Dieu qui n'est pas créé, mais engendré, ce Dieu qui veut prendre place dans notre vie. Il attend tout simplement notre adhésion. Seigneur, me voici, fais tout ce que tu veux avec moi. On dit ensemble. Seigneur, me voici, fais tout ce que tu veux avec moi. Encore. Seigneur, éclaire-moi par ta lumière. Seigneur, viens prendre place dans ma vie pour que je puisse te rendre témoignage aujourd'hui et jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Oh, Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et d'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Que sanctifie mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce parce que tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'y ait pas encore au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Soumets-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Soumets-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté pour chacun de nous ici rassemblés, de toutes les personnes, tous les couples qui sont affiliés à la paroisse. Nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, ton très cher Stepo, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Pour ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri. Prière pour la communion spirituelle. Bon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang,
prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous a donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps, prenez et mangez. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de sa main comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh alléluia, alléluia. Oh alléluia, alléluia. Oh alléluia, alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Alléluia. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer qu'avec des mots signés parfaits. Apprends-moi à tu m'as aimé, ce que tu m'as donné, je n'aurais jamais espéré. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans peur, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur.
Besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus. J'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie. Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre Dame d'Altagrâce. Grâce au nom, grâce au Haïti, grâce au monde entier. Grâce à l'Église. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Benoît, chassez Satan loin de nous au nom de Jésus. Ave Maria, taguez un rien, bon Dieu, pas qu'à faire. Ave Maria, taguez un rien, bon Dieu, pas qu'à faire. Ave Maria, taguez un rien, bon Dieu, pas qu'à quelques annonces. Jeudi, c'est 31 décembre, dernier jour dans mois, dernier jour dans l'année. À partir de 8 heures, à Soya, à bien veiller de prière et après veiller de prière, à bien messe minuit.
samedi 1er janvier, il y a bien deux messes. Une à 6h30 et l'autre là à 9h30. 12 janvier, c'est ouverture de neuvaine à Notre-Dame d'Altagrâce. Thème nous choisi pour neuvaine ça, c'est avec bon Dieu, toute bagaille possible. Avec bon Dieu, toute bagaille possible. Je n'ai pas voir celle-là, encouragez-nous pour nous porter contribution pour nous capables d'organiser belle neuvaine et belle fête pour maman nous. Maman Altagrâce, maman la grâce là. Ça fait nous jeûner la grâce, la mère bon Dieu. Et on vit le frère nous avec ce nom, qui a célébré l'anniversaire de naissance. Si vous êtes là, vous êtes capable d'avancer. Gagné Alain Joseph, on dit bonne fête. Gagné Eddie Pierre, lui. Gagné Edeline Noël. Gagné Giorgio Victor Desmond. Bonne fête également à Marie-Linda Beno. Bonne fête à Mélanie Lafortune, à Gérard Joseph. Abigail Nicolas, Darlene Ténéus, Justine Placide, bonne fête à Bertie Baptiste Chérubin, Jasmine Nicolas, Joseph Béatrice, bonne fête à Manoshka Noël, à Scotty Sapoilo, Zancus Joshua Ducmey, Nadège. Mon cher, donc si vous êtes capable peut-être avancer, nous dit bon joyeux anniversaire de mariage à François, lui, Sheila et Caroline Michel, qui a célébré 20 ans de mariage. Joyeux anniversaire de mariage également à Steve Saint-Preux et Caroline Robertson. Joyeux anniversaire de mariage à Gladys Gaston et Gilbert Gaston, qui a célébré 27 ans. Et pour Frère Noir Sonio, quand c'est l'anniversaire de naissance, n'a pas chanté pour yo. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux c'est campé, on a tout déplacé après bénédiction. Donc, nous rappelons que jeudi, à ces derniers jours, c'est une certaine de gratitude et de reconnaissance envers mon Dieu. Nous connaissons, mon Dieu fait un pile de bien dans la vie, non. Si nous arrivons dans le dernier jour, dans l'année, ça, nous ne sommes pas capables de dire mon Dieu merci. Et les amis, nous, qui avons célébré le 31 décembre, dernier jour dans l'année, donc mon Dieu fait un pile de merveille pour nous, pour nous capables de vivre, ouais, l'année, ça. Pour gagner un an et ajouter sous la joie. Donc, bénis-nous et nous demandons bon Dieu pour le capable, de façon spéciale, bénis amis, nous avons célébré l'anniversaire pour que bon Dieu soit capable de faire ouais, l'autre année, toujours, au 31 décembre 2022, nous capable là, tout, là encore, nous sommes capables de dire bon Dieu merci. Maintenant, disposez-vous pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci, mon Père, à vous de même. Merci. Pendant l'arrivée dans la place, on a salué, on a dit une bonne fête de l'arrivée dans la place. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
chanter loin, fait délivrance d'ailleurs. En chanter loin, fait libération. En bravo, ou bon Dieu qui remet. Ouange pour bon Dieu, qu'elle pose pour tout le monde. Allons, merveille, c'est merveille, faites-moi ça. Petit bon Dieu, laisse-moi m'imiter à nous. Bon Dieu, paraître, sous femme et petit bébé. Aïe, mes amis, un bon bravo pour ça. Enchanté loin, faites délivrance d'ailleurs. Enchanté loin, faites libération. Un bon bravo pour bon Dieu qui remet. Bonjour, bon Dieu.